اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Si on découvre après quelques mois ou quelques années qu'on ne priait pas en direction de la Kaaba, est-ce que l'on est obligé de rattraper toutes ces prières? Barakallahu fikoum cher, qu'Allah vous récompense. Tafadhal cher. Je dis, inshallah ta'ala, comme réponse, si on a découvert un certain temps qu'on ne priait pas vers la Qibla, qu'on était sur, peut-être à l'opposé même, alhamdulillah, 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 on n'a aucune salat à rattraper. J'ai dit alhamdulillah, alhamdulillah, peut-être c'est pas bien de dire alhamdulillah, il y a des gens qui aiment rattraper, Allahu a'lam. Un mohim, yani, il faut dire la vérité, ce serait un. Imagine que tu rattrapes 6 mois. Ce serait vraiment yani, un fardeau, il faut dire la vérité. Donc je dis alhamdoulilah. Pourquoi? Car deux ou trois sahaba, dans un hadith authentique, la nuit, ils ont voulu prier en groupe. Ensuite, ils ne se sont pas mis d'accord sur la qibla. Chacun a dit c'est de ce côté. L'autre il dit non, c'est à gauche. L'autre il dit non, c'est à droite. L'autre il dit non, c'est sur notre dos. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit alors que chacun prie tout seul. Regardez les sahabes, ils se sont pas bagarrés. Et encore moins, ils se sont pas tekfir. Il n'a pas dit ah toi tu es kafir. Moi je lui dis à droite, tu dis à gauche, tu es kafir. L'autre il dit ah bon, je te dis c'est en face, tu dis c'est dans le dos la qibla, tu es kafir. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chose très simple, ils ont dit venez, chacun prier tout seul. C'est très simple. Que chacun, bi'idhna ta'ala, prie tout seul. Et qu'est-ce qu'on va. Et on va tracer. On va tracer comme ça, avec peut-être un petit bâton, comme ça. On trace sur le sol la marque. On va mettre des petites flèches comme ça. Car il fait nuit, il fait noir. Demain, on va voir. Yani. Et on va comparer avec la vraie Qibla. Et le lendemain, quand ils se sont réveillés, l'âme. Ils ont vu comme ça les traces et ils ont vu que les trois n'étaient pas dans la Qibla. Et le prophète, quand il a entendu cela, n'a ordonné à aucun des trois de refaire la salat. Aucun des trois lui a dit, va refaire la salat car tu n'as pas prié dans la Qibla. Donc, alhamdulillah, 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 que la facilité qu'il y a dans ce din, alhamdulillah, et comme Allah subhanahu wa ta'ala, yani, n'a demander à aucune personne une charge, yani de prendre une charge plus qu'elle ne puisse. Oulha fadl min Allah azza wa jal. Naam.